des institutions de la République sur lesquelles repose tout régime démocratique, plus spécialement le Parlement, le gouvernement, la Cour constitutionnelle, les juridictions de l'ordre judiciaire et, dans le cadre de la République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, toutes devenues de simples bras séculiers du pouvoir en place. Sur le plan économique, la dégradation de la situation politique en République démocratique du Congo s'enlise sur fond d'une crise économique et sociale sans précédent qui plonge dans une plus grande précarité la population congolaise déjà paupérisée à souhait et rivée à la misère. De l'opposition et tous ceux qui désapprouvent les méthodes dictatoriales du régime Kabila sont réprimés, arrêtés arbitrairement et condamnés à de lourdes peines par des procédures judiciaires injustes et expéditives. Ensemble, les populations congolaises vivent de plus en plus dans la terreur et dans l'incertitude. Date, dialogue que Kabilis a contenu à la cité de l'Oyoua. Simbi makasi na ba communiquer rassemblement c'est que possibilité ya kovana na meza moko na ba bazalaki na oya po na kotala makambo etali crise ba divergence pe ezali mais wana ekotala manakati ya lisanga wana posa na biso ezali na lombango penza bavanda basangana totala po na okende liboso oyo rapport et pesami et le président Tshisekedi a clôturé donc le 19 décembre Mandeza le sous-souté et puis le 19 octobre Ezali carte rouge donc avertissement Salamaki le 19 octobre Ezali carton jaune en fait carton jaune et la décembre carton rouge donc soyons mobilisés population à faire confiance dans le rassemblement pour na mostra nos sous au sala pour l'intérêt mais vos outils quand même ouvert pour le dialogue ça parce qu'on a toujours été d'accord pour la résolution 2277. Résolution là, tous allons toujours d'accord. Tout ce qu'à la robot est en côté. Tous a ouvert. Maintenant, il est clair. Il y a deux blocs. Bloc il y a Oyo Bazali na Kanchati, na bloc il y a rassemblement. C'est à ce moment-là qu'on va calmement réfléchir pour voir l'après le 19 décembre, mais effectivement sans le président Kabila. Merci. Je vous en prie. La vérité, Bazali va bien au rassemblement à Zankobo. Il y a bien sûr Toboye l'autre côté. Mais proposition, il faut tout ça là, proposition concrète. Il y a moins un rapport, il y a conclave Oyo. Tout ça, ma proposition concrète. Oyo est allé souple et puis adaptable dans les circonstances nyon surtout. Donc ceux qui bango baboy a wane comme si ko kan na bango parce que bah il babenga en français bah raisonnement illogique to ka ki est pas ya Corneille Nanga que 504 jours après le 31 juillet ça il faut être dément. Bozolo baké to ko respecter constitution bozolo baké donc respecter résolution 2277, en même temps, vous avez commémoré en 2018, ça c'était incohérent. Mais le rassemblement a recadré les choses pour que le rassemblement a bloqué ou bien caprice. Caprice, nous avons mis les vraies réalités sur la table. On ne peut pas réagir, tout un instant ouvert dans le dialogue. Non, tout beau, il était.
Le vrai dialogue, c'est ça. Il faut qu'on précise le vrai dialogue. Parce que autres gens qui ont dit que les gens en français monologue. Ils ont dit que son moko. Ré. Ils ont dit que mais il faut solamire. Il y a un peu de bêtises, son moussou pour que effectivement, tout ça, qu'on ait le vrai dialogue. Dialogue, non, mais salamité. Le vrai dialogue. Je crois que dans ce cas, il y a un peu de bêtises, le dialogue est salamé. Il y a un peu de bêtises. Le président, il y a un peu de bêtises. Le rapporteur a fait un contenu clair et qui permet que Mboka Mobima et mon clair. Il y a un peu de bêtises. Il y a un peu de bêtises. Il y a un peu de bêtises.